Igwe. L'éléphant, second. Durem Dumuniti, je te salue. Cet homme assis ici, Kamuala et sa famille. Il a été attrapé en mangeant et en dansant avec les gens d'Ozuka. Et notre loi stipulait que de telles personnes devaient être bannies de ce royaume et aller vivre avec les étrangers d'Ozuka dans leur lieu isolé. C'est pourquoi nous sommes ici. Igwe. Les anciens du conseil. Igwe. J'ai juré de servir mon peuple conformément à la tradition de nos ancêtres. Garde. Va m'apporter du poivre d'alligator. Les anciens du conseil. Igwe. Je voudrais que vous sachiez tous que c'est mon désir et mon intention de m'assurer que dans toutes mes décisions, ici dans le palais, il y ait la justice et l'équité. Dans mon service à mon peuple, dans mon service à mon peuple, je ne ferai rien dans la crainte et dans le favoritisme. Les anciens du conseil. Igwe. Voici le poivre d'alligator. Ça joue un rôle capital dans la tradition de nos ancêtres. Ici. Mes anciens du conseil. Igwe. Là, il y a 4 grains de Guinée. Ces 4 grains de Guinée signifient les 4 jours de marché de la semaine. Eke, Oye, Afo, Nko, et aussi, ces 4 grains de Guinée signifient également les 4 communautés de ce royaume sont dûment représentées ici que vous êtes. Igwe. Et maintenant, je vous demande ceci. Si quelqu'un d'entre vous sait qu'il n'a jamais communiqué, dîné ou pris du vin avec le peuple de Souka de ce royaume, je lui demande dans toute honnêteté, devant les dieux de nos ancêtres et devant ce palais royal, de prendre ici un grain de Guinée et le mâcher pour prouver son innocence. Les anciens du conseil. Igwe. Je crois que nous sommes tous coupables de ce même crime. Anciens du conseil. Igwe. J'ai fait mes recherches concernant le peuple d'État de Souka de cette communauté. Et j'ai découvert que l'histoire de ce peuple de Souka date du temps immémorial. Depuis la période de nos ancêtres.
C'était dans mes recherches que j'ai découvert que c'est ce peuple d'État de Souka qui a commis un ou deux crimes dans ce royaume. Selon mes recherches, je suis arrivé à comprendre que le peuple d'État de Souka, de ce royaume, c'est ce peuple qui a commis des crimes qui sont punissables. Mais ils se sont voués à une déité, notre sanctuaire pour la protection. Et la déité les a protégés contre le mal d'autres citoyens. Et à cause de ça, le roi de l'époque, l'éléphant du royaume de Mulutchi, décida de promulguer une loi pour les bannir et les excommunier des autres membres de ce royaume. Les anciens du conseil, Igwe, basés sur mes recherches, basés sur mes décisions, basés sur mes rapports concernant le peuple d'État de Souka de ce royaume, je suis arrivé à une conclusion finale et à une décision. Parce que ces lois promulguées sont barbares et répugnantes à la nature de la justice, l'équité et la droiture. En tant que l'éléphant du royaume de Mulutchi, par la présente, abolit ces lois à cause de leur caractère répugnant à la justice humaine. Elles sont désormais abolies et n'ont plus force de loi dans ce royaume. Tel est mon jugement. Igwe. Ha ha ha, Adora. Hey. Ugochi. Ma chère. Je vais bien, oh. Je me dirigeais vers chez toi, non? Ok, moi je pars au marché. Je pars acheter quelques... Ma sœur, es-tu au courant de ce qui se passe dans cette ma communauté? Ma sœur, j'avais appris. Notre roi est vraiment très sage. Très sage, alors? Notre village est maintenant en paix parce qu'il traite très bien. C'est aussi clair, c'est que très évident. Que notre Amen. Que les dieux aident notre communauté à évoluer dans ce sens. Bien sûr que ce sera ainsi. Viens, mon ami, viens me raccompagner. Ça fait très longtemps, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas de sa faute. Je n'étais pas en train de marcher et puis... du coup, je me suis heurté contre un truc et j'ai eu très mal. Maintenant? Oui, ça n'a même pas encore fait 5 minutes. Garde, j'appelle non, le docteur. Non. Je vais juste... Doucement. Me reposer. Oui. Ça va, allons-y, allons en haut. Doucement, doucement. Chérie, j'ai très mal. Ça va aller. Je vais, tout doucement, attends, je vais y arriver. Allez, doucement. Désolé. Tout doucement.
Allô? Mes salutations. Comment vas-tu? Ça va. Oui, il va bien. Merci beaucoup. Ichimbeni. Oh non. Je connais très bien la famille de la fille. Moi aussi, je les connais. Ce sont des gens qui devraient normalement être bannis. En effet, ce sont des Osu, une famille maudite. Et je me demande pourquoi notre roi, notre noble roi, permettrait à son fils d'épouser une maudite, une Osu. N'est-ce pas une abomination? C'était une tradition injuste. C'est pourquoi j'ai soutenu la décision du roi pour l'abolir. Oh non. Ichimbeni. Tu sais, les gens l'ont surnommé le réformateur. Ah oui, c'est ça. Et je pense qu'ils ont vraiment raison. En effet, je l'apprécie. Oui, je l'apprécie. Et je le soutiens à 100%. Longue vie à lui. Hein? Cet homme est vraiment... S'il vous plaît, mon roi, j'ai des raisons de croire que Ifedema a des mauvaises intentions. Je l'ai vu mettre une substance étrange dans l'été. Oh, Birma. Mon roi. Quitte ma présence. Merci, mon roi. Oh, Birma. Monsieur. Reviens ici. Oh, Birma. Mon roi. Quelquefois dans la vie, il est nécessaire de canaliser son énergie dans la bonne direction.
et Fadima est toujours pour moi une servante de confiance. Elle m'a bien servi et c'est pourquoi je lui ai toujours demandé de me faire monter. Écoute-moi. Je sais que vous pourriez nourrir d'envie l'une envers l'autre. Mais l'envie ruinera ta vie. Dans tout ce que tu fais, ne sois pas jalouse, parce que les jaloux envient toujours. Quitte ma présence. Mon roi, je la vois souvent avec votre grand frère, Jean-Paul, et sa mère, ici au palais. Tu dis quoi? Oui, mon roi. Obioma. Mon roi. Connais-tu les conséquences de tes accusations? Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Oui, mon roi. Appelle-la moi. Mon roi, me voici. Obioma. Appelle-moi ma reine. Ok, mon roi. Ifedima. Mon roi. Viens à ma droite. Monsieur. Ifedima. Mon roi. Je t'ai demandé de venir à ma droite parce que je la considère ferme. Ça fait longtemps que tu m'as servi. Et tu es l'une de mes servantes les plus dignes de confiance. Et fais dis-moi. Mon roi. La confiance est très très difficile à gagner. Et la seule façon de rendre un homme digne de confiance, c'est de se fier à lui. Car tu m'as servi pendant longtemps. Maintenant, je m'en vais te demander. As-tu préparé ce thé pour moi? Oui, mon roi. Du poison? Non, ma reine, je n'ai pas empoisonné le thé du roi. Je ne l'ai pas fait. Menteuse invétérée, tu sais, je suis vraiment sans mots. Ton changement de comportement, maman, me laisse sidérée. Je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Mais regarde ce que tu me fais. Ifedima. Mon roi. Je te demande. Qui t'a loué pour tuer l'éléphant du royaume d'Umuluchi? Non, mon roi, personne ne m'a envoyé tuer qui que ce soit. Non, personne. Ifedima. Mon roi. Combien on t'a payé pour tuer l'éléphant du royaume d'Umuluchi? Non, ils ne m'ont rien payé. Je n'ai pas été payé. Ifedima. Non, mon roi.
Je veux croire que tu as été faussement accusé. Je veux croire qu'il y a une erreur quelque part. Mais je vais te demander ceci devant la famille royale et devant les dieux de mes ancêtres. Bois ce thé pour prouver ton innocence. Mon roi, je n'ai pas d'appétit. J'ai pas envie de prendre du thé. En plus, je ne peux boire dans la tasse royale. Écoute-moi maintenant. Qui t'a demandé de tuer mon mari? Je n'ai empoisonné personne, ma reine. Personne ne m'a envoyé tuer qui que ce soit. Je n'ai pas été envoyée. Tu fais dis-moi. Mon roi. Combien on t'a payé pour tuer l'éléphant du royaume de Molucci? Non, mon roi. Parle. Je n'ai pas été payé. Personne ne m'a payé pour tuer qui que ce soit. Vous vous trompez. Je n'ai pas été payé. Mon roi, c'est oncle Jean-Paul et sa mère Obiageli. Tu as dit quoi? Oui, mon roi. Hein, quoi? Jean-Paul et sa mère? Ife, dis-moi, comment oses-tu? Comment oses-tu manger et boire avec mes ennemis? Non, mon les roi, ennemis non. De cette famille royale. Mon roi, je n'avais pas l'intention de le faire. Je vous le jure. C'est juste qu'il m'avait remué la pomme. Et après l'avoir mangée, je ne me rappelle plus de rien. Même tel que je suis là, je ne sais pas ce que je fabrique ici. Je ne sais rien du tout. Je vous en prie, mon roi. Veuillez me pardonner. Pardonnez-moi, mon roi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vous en prie. Pardonnez-moi. Garde. Pardonnez-moi. Oui, votre majesté. On va m'appeler le grand prêtre. Non, je suis désolée, je vous en prie. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi, ma reine, pitié, ma reine. Je vous en prie. Va me chercher à Dougou. Pardonnez-moi, oh mon Dieu. Non, c'est pas vrai. Oh non, je vous en prie, pitié, mon roi. Pitié. Pardonnez-moi. Ne t'approche pas de ma présence. Ma reine. Je suis abusée de ma confiance. Je vous supplie. Viens pardonner, ma reine, pitié, personne, je vous en prie, ma reine. Oui, mon roi. Où sont-ils? Je n'ai pas vu Obiageli et son fils. Où est le grand prêtre? Il est là, votre majesté. Merci au Dieu que tu es là. L'heure est venue. Ok, tu viens là. Du Golaon. Qu'est-ce que je fais là?
Tu viens d'être guérie des effets d'envoûtement qui agissaient en toi. Insensée de fille. Ma reine. Mon roi. Effectivement. Mon roi. Je t'ai prise comme ma sœur. Je t'ai prise comme une famille. Parce que tu sers ma femme. Diligemment en tant que servante. Mais ça brise le cœur. Que tu aies trahi la famille royale. Mais comment c'est si pénible de savoir que tu manges et bois avec les ennemis de la famille royale. Non, c'est pas vrai. Néanmoins, le grand prêtre vient de te délivrer parce que tu as été hypnotisé pour faire ce que tu as fait. Je te pardonnerai, mais tu ne serviras plus dans mon royaume. Non. Tu seras transféré en ville, dans mon entreprise, où tu serviras en tant que réceptionniste. Je suis désolée. T'approches pas de moi. Désolée. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pardonnez-moi, mon roi. Pardonnez-moi, ma reine. Aie pitié. Je vous en prie. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pitié, pardonnez-moi. Je vous en prie. Aie pitié de moi. Non, non. Pitié, ma reine. Non, mon roi. Mon roi, je vous en prie. Merci. Aie, ma reine, pitié. Mon roi, ne partez pas, je vous en prie. Ne partez pas, aie pitié. Ma reine, je vous en prie, pardonnez-moi. Je suis désolée. Je suis désolée, ma reine. Pardonnez-moi, je suis désolée. Pitié, pitié. Aïe. Je ne peux plus rien faire. Désolée, tu as abusé de notre confiance. Je ne l'ai pas fait. Du calme. Moi, je suis désenvoûtée, ma reine, je vous en prie. Jean-Paul. 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 Jean-Paul, qu'est-ce que c'est? Hé, grand frère. Hé, oh, qu'est-ce que tu as? Mais, grand frère Jean-Paul. Qui est-il? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Jean-Paul. Grand frère Jean-Paul. Hey. Maman, Jean-Paul n'est plus. Il n'est plus. Mon Dieu. Seigneur. C'est quoi cette histoire? Maman. Maman. Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul, remets-toi. Mon frère. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Jean-Paul, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Jean-Paul. Jean-Paul, Jean-Paul. Jean-Paul n'est plus maman. Jean-Paul. Allez. Jean-Paul, réveille-toi. Jean-Paul. Seigneur. Jean-Paul, ne fais pas ça, s'il te plaît. Elle chante. Nous sommes à combien ici? Suis-je censée répondre? Bien sûr que oui. C'est ce qu'on fait.
Ah, mon fils adoré n'est plus là. Il me manque beaucoup. Masinachi. Masinachi. Maman, tu vois comment est-ce qu'elle chante comme ça, hein? Elle va parler, laisse-la finir de chanter. On est là. Amen. Qu'est-ce qui te rend joyeuse? Maman de maman. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman ni maman. Masinachi s'est gagnée au jackpot. Oui, oh. Elle a réussi son salaire aujourd'hui, hein? Maman de maman. La maman de maman. La seule et l'unique de la maison. Les restes sont alignés pour la toilette. Devine quoi? Le roi David, il n'est pas du genre de personne qui parle trop. Il est plus dans les actions. Masinachi, je crois bien que nous nous étions entendus. Et si c'est, nous ne l'appellerons jamais roi. Donc vous avez tenu une réunion derrière mon dos? Oui, oh. Mais malheureusement, Jean-Paul n'est plus ici avec nous. En fait, en vrai, je ne suis plus avec vous. Maman, j'ai une bonne nouvelle. Il m'a employé dans sa compagnie avec un très, très bon salaire. Un salaire qui est très décent. Tout le jour. À partir de maintenant, j'ai béni mon Dieu. Oh Seigneur. Maman, tu ne vas pas comprendre. S'il vous plaît, j'ai besoin de rester seule. Je me sens vraiment mal. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Maman, n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? J'ai dû tout faire pour manger mon fils. Oui, mais ça n'a rien à voir. Il l'a tué. Hey. C'est le tueur. Maman, maman, ton calme. Pas où? Hey. Il ne connaîtra maman, jamais la derrière nous, c'est qu'il juste derrière. Qu'il sera mort. Faisons-nous sur ce que Dieu est en train de faire pour nous. Quand il sera là, chacun d'entre nous doit essayer de prendre la parole. Ah, soyez les bienvenus. Merci. Honneur au roi. Longue vie à vous. Merci. Merci. Asseyez-vous. Où est Masinachi? Oui, votre Altesse. Amachinachi a voyagé pour une mission officielle. Raison pour laquelle elle n'est pas présente pour la réunion. Ok. Vous êtes tous les bienvenus à la réunion exécutive de cette grande entreprise First Standard Telecommunication Incorporated. Vous êtes les bienvenus. Merci de votre altesse. Je voudrais une fois encore vous présenter ma femme. Elle est l'Amazone de First Standard Telecommunication Incorporated. Ma femme, pour être honnête, est le cerveau derrière mon succès. Ayant dit ça, j'aimerais dire un grand merci à vous, tous les directeurs des différentes branches de mon entreprise. Je dois confesser que vous tous, vous travaillez très bien dans vos différentes branches et je suis très impressionné par vos efforts. Merci beaucoup. Ayant dit ça, j'ai aussi fait des renseignements sur le progrès de notre entreprise par rapport aux autres entreprises dans la diaspora. Et j'ai réalisé que nous sommes tous encore à la traîne malgré notre progrès dans le marché boursier. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes à la traîne, c'est parce que
Nous ne sommes pas la seule entreprise de télécommunications dans ce pays. Nous avons des concurrents. Et par ailleurs, j'ai aussi découvert que mon emploi du temps avec nos entreprises sœurs est devenu un problème. Considérant ça, en tant que le président et le directeur général de cette entreprise et en tant que directeur exécutif du conseil d'administration, j'ai décidé de laisser ma position à prendre par un d'entre vous. Pourquoi, Votre Majesté ? Pourquoi ? Mais Votre Altesse, pourquoi cette décision soudaine ? Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas que vous me compreniez cette décision spontanée. Je voudrais que vous sachiez que je fais confiance et je crois en votre capacité de cette entreprise parce que vous avez tous contribué immensément au progrès de cette grande entreprise. Et à cause de ça, je crois que vous avez tous les qualités et la capacité de porter cette entreprise au niveau supérieur, même à mon absence. Ayant dit ça, je voudrais écouter la version d'un ou de deux parmi vous par rapport à ma décision. Votre Majesté, vous avez bien parlé. Tenant compte de ma performance jusque-là, je pense que tout le monde peut témoigner cela. Je dois vous rappeler que la communication de masse est mon domaine. J'ose croire que je peux bien remplir ces fonctions. Parfaitement. Je pense que tout ce dont cette compagnie a besoin maintenant, par rapport aux compétitions des entreprises, c'est la personne qui va beaucoup en mener pour relever le défi qui sont dans cette compagnie. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons vaincre à diriger cette compagnie. Merci, Votre Majesté. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Premièrement, nous avons un président que nous connaissons. Je pense qu'il serait mieux que nous puissions prendre une décision. Et cette dernière va beaucoup aider l'entreprise. C'est un peu ce que j'avais à dire. Longue vie à vous, Votre Altesse. Que votre règne soit long, Votre Majesté. Chers distingués, collègues, je vous apprécie tous d'avoir pris la parole avant moi. La vérité est que je dirais que je suis la personne parfaite pour ce poste de directeur de cette société. D'une part, c'est que lorsque je vais assumer la position de directeur de cette société, je ferai en sorte que nous puissions commencer à vendre des actions. Nous deviendrons une société publique PLC par laquelle nous pourrons vendre des actions à un ménage. Je dirais donc que si j'ai eu cette opportunité par sa grâce, cette société va aller plus loin et devenir grande à notre époque. Merci, Votre Majesté. Mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos déclarations et vos paroles. Une fois encore, j'aimerais vous faire comprendre que c'était un privilège pour moi de travailler avec vous. Ouais, en toute franchise, c'était un privilège pour moi de travailler avec vous.
Ayant écouté vos déclarations et vos paroles, je me suis trouvé dans un certain dilemme par rapport au choix de celui qui prendrait ma position. Parce que vous faites tous bien et vous avez tous les qualifications pour prendre cette position. Néanmoins, j'ai fait le choix d'utiliser la formule de semence pour déterminer celui qui sera le prochain leader de cette grande entreprise. Je m'en vais vous donner quelques semences que vous allez planter. Et dans 6 mois, vous allez revenir avec la plante de votre semence. Et alors, ma décision sera prise. Passez ça à la personne suivante. À la personne suivante. À la personne suivante. Est-ce que vous l'avez tous? Oui, Votre Altesse. Très bien. Vous irez dans vos maisons respectives avec cette semence et vous la planterez. Et après 6 mois, vous m'en apporterez les plantes. Et je déterminerai qui sera le prochain leader de cette grande entreprise. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'avoir cette réunion avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On se voit après 6 mois. C'est pour quelle utilisation cette SIM? C'est pour choisir le nouveau directeur? Sérieusement? Je ne peux même pas l'expliquer. Sinon, c'est ce que j'essaie de comprendre. Comment veut-il faire son choix en procédant par cette méthode? En tout cas, de toute façon, je vais aller semer le mien immédiatement parce que je ne veux pas perdre ce poste. À plus, les gars. D'accord. Que je t'attende, toi là. On se voit. Qu'est-ce qui se passait exactement? Combien de temps faut-il pour qu'un grain germe? Cela fait presque 6 mois maintenant. Chérie, qu'est-ce qui te dérange? Mon amour. Le président nous a donné des graines de fleurs à semer. Ça fait déjà presque 6 mois maintenant. Mais la mienne n'a même pas germé jusqu'à ce qu'on parlera de sa croissance pour devenir une fleur. Écoute, je suis allé chez Daniel l'autre fois et il m'a montré sa fleur et ça pousse très bien, ça se développe bien. Combien de temps faut-il que la mienne germe pour ne même pas parler de sa croissance?
Tu as fait tous les efforts possibles. Et à mon avis, je crois que nous devons nous laisser descendre de Dieu. Abandonnons tout ceci entre les mains du Seigneur, bébé. Tu dis Dieu? Bébé, la vérité est que je n'irai pas à cette réunion. Non, dis-moi, si j'y vais, qu'est-ce que je vais présenter? Quand les autres vont présenter leurs fleurs, moi je vais présenter la boue. Non, dis-moi, que vais-je aller faire là-bas? Sérieusement? Et tu vas aller avec ces pots de fleurs. Tu vas les présenter à ton chef. Au moins, il dira que tu as quand même fourni un effort. D'accord, mon amour? Mon amour, tu ne comprendras pas. Sérieusement, tu ne comprendras pas. Mais si tu le dis, j'irai à la réunion. D'accord? J'irai, je serai là. Mais la vérité est que, juste, mets ça dans ta tête que je suis déjà un échec. Parce que quand les autres viendront avec leurs fleurs... Écoute-moi, tu n'es pas un échec et tu ne le seras jamais. Tu as raison, bien sûr, je le ferai. Voilà pourquoi je t'aime énormément. Tu m'encourages toujours. Mesdemoiselles et messieurs de cette grande entreprise, vous êtes les bienvenus à une autre réunion administrative de First Standard Telecommunication Incorporated. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Vous pouvez tous vous souvenir, lors de la dernière réunion, nous étions tous d'accord que aujourd'hui allait être notre examen pratique de la formule de semence que je vous avais donnée. J'espère que vous êtes venus avec vos plantes. Oui, ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. De mes semences que je vous ai données. Oui, Votre Majesté. Bien, puis-je voir vos plantes? Waouh! C'est très merveilleux. Je suis si fier de vous. Merci, Votre Majesté. Joe, Votre Altesse. Jones. Votre Altesse. Je ne vois pas votre plante. Ça fait votre Altesse. Quand vous nous avez donné les grains ici, d'aller les semer, quand je suis arrivé chez moi, j'ai préparé ce pot avec le sable et j'ai planté la mienne dedans. Mais c'est que depuis, je l'arrosais. C'est que j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'il faut pour l'avoir germé, mais pas de résultat escompté. Tous mes efforts n'ont rien donné de positif. Voilà comment cela s'est passé avec moi, Votre Majesté. Ça va. J'apprécie votre sincérité de venir et dire ça. Je voudrais annoncer le prochain directeur de conseil d'administration de cette grande entreprise. Mais avant que je ne fasse mon annonce,
J'aimerais partager un secret avec vous. Il y a 6 mois, nous avions eu une réunion ici, une réunion du conseil d'administration, où je vous avais fait connaître mon intention. Je vous ai fait connaître la nécessité pour nous d'avoir un autre directeur du conseil d'administration à cause de mon calendrier très chargé après mon couronnement. Je vous ai parlé de la formule de semence parce que je sais que vous êtes tous de bons directeurs dans les différentes branches de mon entreprise. La formule de semence était ma meilleure formule. C'est lié à la vérité. C'est lié à la sincérité. C'est lié à l'honnêteté. Ça vous surprendrait tous de savoir que les semences que je vous avais données étaient bouillies pendant 3 heures de temps avant que je vous les ai données. Ce qui veut dire que elles ne peuvent jamais germer. Je l'ai fait par esprit. Je voulais savoir ceux qui peuvent être sincères à eux-mêmes et à moi. Ça brise le cœur. C'est décourageant. Que vous avez trouvé vos plantes de différents endroits juste pour m'impressionner, juste pour gagner la position. Vous voyez, c'est une simple loi de la vie. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Si vous semez du maïs, vous récolterez du maïs. Si vous semez la tristesse, vous récolterez la tristesse. Si vous semez des mensonges et la déception, vous récolterez des mensonges et la déception. Si vous semez la vérité, l'honnêteté, vous récolterez la vérité et l'honnêteté. Makanande banye sina. Mana Ofukausa Jones, vous vous êtes trouvé une place dans mon cœur pour avoir été. Merci, Votre Majesté. Merci. En tant que le président du conseil d'administration et directeur général de First Standard Telecommunication Incorporated, par la présente, en vertu des pouvoirs qui me sont confiés, je vous déclare Jones le prochain directeur général. Yeah! Yeah! Seigneur Jésus! Hey! Seigneur! Hey! Félicitations! Merci beaucoup! Hey! Moi, directeur général? Hey! Hey! Je ne peux pas y croire. Directeur général, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci beaucoup. Je ne peux pas y croire. Merci beaucoup. Jones, hey. J'apprécie votre sincérité. Vous êtes un homme honnête. Je n'ai ni crainte, je n'ai ni regret en vous remettant la direction de cette grande entreprise, sachant très bien que vous porterez cette entreprise. Oui, oui, Votre Majesté, je ne vous décevrai pas. Je vous le promets, je ferai de mon mieux afin que la société soit l'une des meilleures en Afrique, même dans le monde. Je vous le promets, j'ai vraiment apprécié ça. Je suis reconnaissant. Hey, merci beaucoup. Merci, Seigneur. Mesdemoiselles et messieurs, finalement, mon aimable reine, l'Amazon de First Standard Telecommunication Incorporation a un cadeau merveilleux pour vous, pour votre honnêteté. Et nous avons pensé d'offrir un véhicule
Tu peux récupérer. Félicitations. Félicitations. Mes anciens, je vous salue. C'est tout un honneur pour moi de vous accueillir chez moi, s'il vous plaît. Que dois-je vous offrir? Tu ne gênes pas. Non. Au moins, laissez-moi vous servir à boire. Hein? Ne te dérange pas. Vraiment? Oui. Ça va. Il y a un adage de chez nous qui dit que un crapaud ne court pas dans la journée sans aucune raison. Soit il poursuit quelque chose ou quelque chose le poursuit. Oui, donc, pour que vous soyez chez moi en ce moment, cela veut dire que vous êtes là avec un message. Je suis à votre écoute alors. Notre fils, nous sommes là pour passer un message de notre roi David Obetchina. Notre roi vous a accordé le titre d'Otiana Omenora premier du royaume de Mouridji. Moi, Otiara Omenora premier du royaume de Mouridji. Tu l'acceptes? Nous attendons que tu nous envoies une réponse avant la fin de la semaine. Hey! Moi, Otiara Omenora premier du royaume de Mouridji. Ah, c'est une grande nouvelle. Ah, c'est une grande nouvelle. Sérieusement, je suis vraiment honoré par cette reconnaissance. Le fait, c'est que je l'ai accepté. Tout ce que vous devez faire, c'est de retourner chez vous et me dire ce qu'il faut faire pour que je puisse commencer le processus. Merci, mon fils. Merci pour avoir accepté. En ce qui concerne ce que ça va te demander, oui, je te promets que avant 3 jours, nous allons te trouver une liste. Ça, c'est bien. Mais tu dois savoir que ce n'est rien de si spécial. J'ai tout compris. Et auto-accordé. Je suis vraiment reconnaissant. Ouais. Et je suis honoré. S'il vous plaît, mes salutations au roi David. Oui. D'accord? Mais avant votre départ, je dois vous offrir quelque chose. Hmm? Permettez-moi d'appeler ma femme afin qu'elle vienne vous offrir quelque chose. D'accord. Vous devez prendre quelque chose. Oui. Chérie? Votre Altesse, le grand roi, l'éléphant du royaume d'Umunichi, je vous salue. Igwe. Votre Majesté, Igwe, je vous salue, Votre Majesté. Jones, tu es le bienvenu.
Merci, Votre Majesté. Je t'ai appelé ici parce que je suis profondément content et impressionné par ton succès. Votre Majesté, c'est grâce à vous. Et je souhaite te faire connaître ma décision et mes intentions personnelles de te promouvoir à un niveau supérieur. Ah. Merci, Votre Majesté. Par conséquent, ma décision nouvelle consiste à te donner le titre de chefferie. Moi, un chef. Igwe, longue vie à vous. Que votre vie sur cette terre soit plus longue que celle de Metsusela. Igwe, je suis vraiment satisfait par ceci. Vous n'êtes pas seulement un patron et un ami, mais vous m'avez aussi montré que vous serez un grand roi dans ce royaume de Munichi. Igwe, je vous apprécie et je vous remercie pour cette grande opportunité. Longue vie à vous, Votre Majesté. Quel bienvenu. Je vous en prie, Votre Majesté. Jones. Votre Majesté. Dès que tu sors de cet endroit, j'enverrai un message au conseil des chefs pour les informer de ma décision personnelle. Je n'ai aucun problème avec ça, Votre Majesté. J'attendrai leur visite. Merci beaucoup, Votre Majesté. Tu es le bienvenu. Chef. Devine quoi? Quoi? Devine! C'est quoi ça avec toi? Johnny m'a proposé. John a fait quoi? Tu aimes toujours fabriquer les choses. Ne sais-tu pas qu'il est un homme marié? Comme son ma soeur. Ce n'est pas un péché pour un homme d'épouser autant de femmes qu'il veut. Donc, ce n'est pas de nouveau. Je suis juste contente. Je ne suis pas dedans. Tu ne déranges pas ma soeur, tu es en dehors de ça. Je suis juste contente. Tu es contente d'être une seconde. Ah, comme je suis heureuse, ma soeur. Tu ne vas pas comprendre ça, tu ne comprendras pas. Bien sûr que j'ai déjà épousé Lonia. Et maintenant, le roi veut me donner le titre du chef. Je pense qu'il est temps pour que j'épouse une deuxième femme. Ouais. Comme je suis le seul fils de mes parents, au moins quand j'épouse deux femmes, j'aurai assez d'enfants et de fils. Masnachi. Ma chérie, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. Mais moi, je sais que ton mari était un bon homme. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas encore, dis-moi? Ma chérie, ta sœur, Masinachi, a brisé mon foyer en se proposant à mon mari comme sa deuxième femme. Luna, je l'avais bien averti de ne pas faire ce genre de choses. Je l'avais fait. Tu sais, je ne pouvais jamais croire que John et Masinati sortaient ensemble à partir de ces nouveaux emplois. Même mon frère le roi ne soutient pas ce mariage. Il s'est même disputé avec ton mari. Tout en regrettant de lui donner ce genre de titre dans l'entreprise. Je suis au courant de tout ce que le roi avait dit. Mais il n'est qu'un humain. Est-ce qu'il faut que je me donne la mort? C'est purement une affaire de femme. Je suis passée par des moments très difficiles. J'ai tellement souffert à cause de cette histoire. Laisse-moi te relater comment j'ai souffert toute ma vie avec John.
Lonia. Hey. Est-ce vraiment toi? Bien sûr que oui, ça c'est moi. Wow. Vraiment, quelle est cette grande surprise? En fait, quand je t'ai dépassé, je voulais continuer. Mais j'ai dit que, attends, c'est comme je connais cette personne. Ce visage m'est vraiment familier. Et j'ai fait marche arrière. C'est ça. Comment vas-tu? C'est comme tu vois, ça va. Quelle surprise. Vraiment, dis-moi, depuis combien de temps tu vis ici? J'ai fait un petit déplacement. Depuis que je suis rentrée, je n'ai pas encore fait beaucoup de temps. Pas étonnant. Pas étonnant. C'est pourquoi je ne te vois plus depuis notre service national. Tu sais, mais c'était indépendamment de moi-même. Je ne m'attendais pas à ça. Te revoir, c'est une surprise pour moi. S'il te plaît, tu sais, je veux que tu laisses le passé au passé. En fait, c'est pourquoi je t'ai cherché de partout pour te demander pardon. Je sais que ce que je t'ai fait est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. S'il te plaît, je te demande pardon au nom de Dieu. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais quoi? Je ne peux pas oublier tout le mal que je t'ai fait. S'il te plaît, tu as été très gentil avec moi pour mériter cela. J'ai appris que maintenant tu travailles dans une des grandes compagnies de la place. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait déjà partie de mon passé et je ne veux pas en revenir, s'il te plaît. Non, Lonia, attends. Non. Lonia, cela veut dire que tu m'as mis sur une liste noire. Et pourquoi pas? Avec tout ce par quoi tu m'as fait passer, c'est normal de te préférer loin de moi. Écoute, tout ce que j'ai fait dans le passé était dans le cadre de notre amitié. J'ai donné le meilleur de moi juste pour entretenir notre relation. Mais quand il fallait les transformer en relation amoureuse, tu t'es décidé de briser mon cœur. S'il te plaît, ne te rappelle plus de tout cela. Tu sais, je te cherchais tout ce temps juste pour te demander pardon. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, honnêtement parlant. Ce n'était pas intentionnel. Après tous les biens que tu m'avais faits, s'il te plaît. Non, ça paraît normal. C'est peut-être parce que tu n'es plus de mon niveau. C'est pourquoi on ne pouvait plus être ensemble. Pas de souci. Ainsi va la vie. J'ai demandé à mon patron de me transférer vers ici, au port à court. Juste parce que j'ai appris que tu vis maintenant ici. Je sais qu'un jour, je peux te croiser en chemin. C'est Dieu qui veut qu'on se rencontre à nouveau. S'il te plaît, cherche une place dans ton cœur afin d'oublier le passé. Laisse le passé au passé. Ok. Laisse-moi t'emmener là où tu vas, d'accord? S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. S'il te plaît, viens monter. Lonia. Hey. Est-ce vraiment toi? Bien sûr que oui. Ça c'est moi. Wow. Vraiment, quelle est cette grande surprise? En fait, quand je t'ai dépassé, je voulais continuer. Mais j'ai dit que, attends, c'est comme je connais cette personne. Ce visage m'est vraiment familier. Et j'ai fait marche arrière. C'est ça. Comment vas-tu? C'est comme tu vois, ça va. Quelle surprise! Vraiment, dis-moi, depuis combien de temps tu vis ici? J'ai fait un petit déplacement depuis que je suis rentrée, je n'ai pas encore fait beaucoup de temps. Pas étonnant. C'est pourquoi je ne te vois plus depuis notre service national. Tu sais,
Mais si c'est indépendant de moi-même, je ne m'attendais pas à ça. C'est une surprise pour moi. S'il te plaît, tu sais, je veux que tu laisses le passé au passé. En fait, c'est pourquoi je t'ai cherché de partout pour te demander pardon. Je sais que ce que je t'ai fait est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. S'il te plaît, je te demande pardon au nom de Dieu. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais quoi? Je ne peux pas oublier tout le mal que je t'ai fait. S'il te plaît, tu as été très gentil avec moi pour mériter cela. J'ai appris que maintenant tu travailles dans une grande compagnie de la place. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait déjà partie de mon passé et je ne veux pas en revenir, s'il te plaît. Non, Lonia, attends. Non. Lonia, cela veut dire que tu m'as mis sur une liste noire. Et pourquoi pas? Avec tout ce par quoi tu m'as fait passer, c'est normal de te préférer loin. Écoute, tout ce que je fais dans le passé... Était dans le cadre de notre amitié. J'ai donné le meilleur de moi juste pour entretenir notre relation. Mais quand il fallait les transformer en relation amoureuse, tu décidais de briser mon cœur. S'il te plaît, ne te rappelle plus de tout cela. Tu sais, je te cherchais tout ce temps juste pour te demander pardon. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, honnêtement parlant. Ce n'était pas intentionnel. Après tous les biens que tu m'avais fait, s'il te plaît... Non, ça paraît normal. C'est peut-être parce que tu n'es plus de mon niveau. C'est pourquoi on ne pouvait plus être ensemble. Pas de soucis. Ainsi va la vie. J'ai demandé à mon patron de me transférer vers ici, au pont à cour. Juste parce que j'ai appris que tu vis maintenant ici. Je sais qu'un jour, je peux te croiser en chemin. C'est Dieu qui veut qu'on se rencontre à nouveau. S'il te plaît. Cherche une place dans ton cœur afin d'oublier le passé. Laisse le passé au passé. Okay. Laisse-moi t'emmener là où tu vas, d'accord? S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. S'il te plaît, viens monter. Le plat est vraiment délicieux. Merci. Je la savoure vraiment. Pour cette raison, je vais t'offrir un cadeau. Merci, chérie. Tu sais qu'on dit souvent que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Et tu gagnes toujours mon cœur à travers la nourriture. Je sais. Et c'est pourquoi je t'aime énormément, d'accord? Je t'aime également. Chérie. Oui, chérie. Tu sais, Dieu est tellement fidèle. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien sûr. Regarde comment notre mariage s'est passé. C'est tellement bien organisé. Sans autant parler des ressources qu'il met à notre disposition. Franchement, je suis reconnaissante pour ce qu'il a fait. Bien sûr. Bébé, qu'entends-tu d'autre? Tu sais que je t'aime beaucoup et je ferai tout pour te rendre heureuse. Écoute, mon amour pour toi est au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc, je dois te le montrer, tu sais, sur le plan émotionnel et matériel. Et je suis vraiment heureux que tu aies tellement impressionné. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. S'il te plaît, mange ton plat avant que...
Ça se refroidit. Ça se refroidit. Mais attends, il faut bien manger. Ouais, tu as intérêt. Sinon, l'enfant qui est dedans doit être bien nourri. Sylvia. Oh, quelle surprise. Comment tu vas? Comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps. Tu es venue au bon moment. Installe-toi, je vais t'apporter à manger. Tu peux prendre place, ma chérie. J'ai beaucoup marché, je crois qu'il serait mieux que je commence par prendre l'air. Es-tu sûre? Oui. J'ai déjà t'apporter pour toi. Sylvia. Tu es exceptionnelle. C'est son genre de personne, ma chère. C'est comme ça qu'elle est. Elle est toujours différente des autres. C'est pourquoi parmi toutes mes sœurs, elle est la plus brillante. Sinon, c'est pourquoi je l'admire beaucoup. Hé, mon frère! Attends, Gigi, devine quoi? Sylvia, tu me connais très bien que je ne suis pas douée en devinette. Donc, si tu veux dire quelque chose, juste va tout droit au but, d'accord? D'accord. L'entreprise a mis à la disposition de ta sœur une voiture ainsi qu'un chauffeur. Es-tu sérieuse? Waouh! Mais c'est merveilleux! Ça, c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Je suis très heureux pour toi. Tu vois, bébé, tu sais que j'aime les bonnes nouvelles. Elles m'impressionnent vraiment. C'est pourquoi je t'ai toujours dit que tu devrais quitter ce travail pour le gouvernement local et postuler pour un emploi au gouvernement fédéral. Parce que travailler avec le gouvernement fédéral, c'est mieux et c'est bien payant. Hein? Sérieusement. Parce que, écoute, même si tu postules pour un emploi au gouvernement fédéral et tu n'arrives pas à l'avoir, tu sais, je peux te trouver un capital afin que tu commences à faire quelque chose par toi-même. Comme ça, tu pourrais avoir du temps pour mon bébé et moi. Hein? Je ne vais pas démissionner. Tu sais que cet emploi est le plus prometteur et ce n'est pas facile pour moi de le décrocher. Je sais. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça a vraiment d'importance? Écoute, laisse-moi te dire. Je travaille avec Face Communication PLC. Et on me paie très bien. Leur salaire est assez pour nous deux. Leur salaire est assez pour prendre soin de notre famille. Grand frère, essaie d'être raisonnable. Laisse-lui un peu de temps. Oh, vraiment? Je vois. Même pipe, même tabac. Ok, c'est bon. Je vais écrire ma lettre de résiliation de contrat. Bien. Maintenant, tu parles, mon bébé. Donne-moi cinq. Mon salaire suffit largement pour nous. Tu sais, je vais te voir à la maison chaque fois que je retourne. Tu sais que parfois, quand je reviens, je cherche à manger en vain. Tout ça à cause de ton soi-disant travail pour le gouvernement local. Maintenant, je suis heureux. Laisse-moi manger mon plat tranquillement. Votre Majesté, je t'ai appelé ici à propos des menaces qu'Obiageli est en train de faire à ce palais royal. Quand Fedima, ma servante de confiance, était attrapée, empoisonnant mon thé, le nom d'Obiageli était mentionné. Mais je l'ai personnellement laissé de côté pour plusieurs raisons. J'étais appelé ici pour te faire savoir
qu'elle s'embarquera dans un voyage sans retour. Votre Majesté, longue vie à toi, mon roi. Si j'ai à donner mon opinion, ce serait préférable qu'Obiageli soit banni de ce royaume. Parce que toute atrocité commise dans ce royaume, d'une manière ou d'une autre, est associée à Obiageli. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Je vais mettre ça en considération. Alors, dorénavant, elle ne sera plus vue nulle part proche de ce palais royal. C'est ça. Que cela soit ainsi, Votre Majesté. J'ai parlé. L'éléphant second du royaume d'Umunichi. Mes chéris, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est moi, Jones. Jones, le riche. Le seul homme chez qui l'argent coule comme de la rivière. C'est ça, on est là pour toi. Bébé, écoutez, écoutez. Donne-moi ça. Bébé. Hey, oui. Hey! Oui! Bibi Joe. Oui, bébé. Rappelle-toi de l'argent que je t'avais demandé. En fait, après ce soir, je vais te le doubler. Ah oui, chérie, c'est ça. Écoutez, profitez-en. Ce soir, c'est ce soir. Bébé, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour toi. Hey, tu as raison. Bébé, tue-moi. Hey, je vais voir. Bébé, attends. Venez me sauver. Vous savez, aujourd'hui, c'est pour vous et moi. On va se tuer dans cette chambre. Barman, s'il te plaît, apporte plus. Apporte du poisson. Que je me concentre sur toi. Tu aimes ça? D'accord. Bébé. Hey, je vais mourir. Je vais mourir. Tu parles de l'argent. En fait, je vais te doubler ça ce soir. Écoutez, laissez-moi vous dire, ce soir, ça va être ce soir. Si vous me traitez bien, je vais vous envoyer toutes les deux au Canada. Bébé, donne-moi ça. Bébé. Bébé. Ouais, donne-moi ça. Oh, écoutez, laissez-moi vous dire, ce soir, ça va être ce soir. Je vais, si vous me traitez bien, je vais vous délivrer un visa canadien chacune. C'est moi, Jones. Jones le riche, l'homme chez qui l'argent coule comme de la rivière. Tu les diras dans la rivière. Bébé, donne-moi l'argent que tu m'avais promis, s'il te plaît. En fait, je te le double ce soir. Je te le double. C'est moi, Jones. S'il te plaît. Laisse-moi toucher ça. Mikweba, c'est quoi ça? Allez, mon bébé. Continue. Donne-moi ça. Chérie, écoute-moi d'abord. Que je te donne. Tout mon compte appartient. Ouais, c'est pour moi. Écoute, c'est pourquoi tout mon argent est pour vous. Je vais vous donner tout mon argent. Donne-moi ça, bébé. Oh! Donne-moi ça. Manger, mourir. Tout ça, c'est pour toi, chérie. Écoutez, laissez-moi vous dire. Barman, s'il te plaît, plus de bière et du poisson. Bébé, tu ne dois pas attendre. On ne doit pas attendre. On ne doit...
J'ai rien souci. C'est quoi le problème? Bébé, je suis dans le pétrin. En ce moment où je te parle, je suis dans un grand problème. Et je ne sais pas comment je vais le gérer. Je fais tout pour sauver mon travail et m'éviter d'être humilié. Parce que le roi David ne va l'accepter s'il se rend compte. Il ne va pas l'accepter. Bébé, est-ce que tu veux me faire comprendre quelque chose? S'il te plaît, dis-moi si ça te dérange, je peux t'apporter de l'aide. Parle-nous. D'accord, ça va. Je te le dirai. J'ai accordé à un client un prêt de 50 millions de naira depuis environ 8 mois maintenant. Et depuis lors, il est disparu dans la nature. Je suis allé dans son bureau et à l'heure où je te parle, les portes de son bureau sont scellées. J'ai appelé la police de le poursuivre ou le tracer ou chercher toute information qui peut nous conduire vers lui. Mais la vérité est que tout était en vain. Le dernier rapport que j'ai eu venait de l'aéroport. Que cette même personne dont je te parle a voyagé à l'étranger. Il a voyagé. Il est parti avec mon agent et a scellé les portes de sa société. Essaye de te calmer, chérie, s'il te plaît. Apaise-toi, ne te stresse pas. Que je ne me stresse pas. Où est-ce que je vais trouver les 50 000 afin de les retourner dans la caisse de la société? C'est bon. Calme-toi. Bébé. Aide tes apaisements, s'il te plaît. Ces sommes importantes. Mais comment depuis tout ce temps, tu m'en as jamais parlé? Bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Je suis vraiment désolé de ne pas t'informer. Je ne veux juste pas te déranger avec ça et je pensais que c'est quelque chose que je peux régler moi-même. Je pensais que c'est quelque chose que je peux gérer moi-même, mais me voici. Je suis dans le pétrin. Ça va aller. Je suis très heureux que, malgré ton emploi du temps chargé, tu es venu ici précipitamment après que ta sœur t'a appelé hier. La vérité est que je suis fini. Je ne sais plus quoi faire. La société a demandé les comptes expédiés pour toutes les succursales et on a eu une réunion demain pour ça. Ce qui déterminera la promotion de celui qui deviendra le prochain directeur de la société. Donc, mon travail est en danger. Je ne sais pas quoi faire. Mon beau frère. Tu dois essayer de te calmer, ok? Tout va bien se passer. Comment? Donc, dis-moi comment. Donc, tout ne va pas bien avec moi. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Quelque chose de terrible est sur le point de m'arriver. Je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas à quel saint se vouer. Mon frère, si rien ne se fait, ça va nous affecter terriblement. Ma chère, écoute-moi. Ma sœur ici présente. Ta femme m'a fait part de tous les problèmes que tu traverses actuellement. C'est très triste. Je vais essayer de trouver quelque chose. Je crois avoir peut-être un million de naira. Mais qui peut faire un million devant une personne qui a une dette de 50 millions de naira? Bien, comme je l'ai dit tantôt, ta femme, ma sœur, Lonia, m'a absolument parlé de tout ce que tu traverses actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. J'ai besoin d'en connaître un peu plus par moi-même, au fait. J'avais décidé de chercher de l'aide venant d'une maison de finances. Oui. Au fait, l'intérêt n'est pas du tout assez.
ça peut te prendre genre une année pour te payer. Duke, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu es? Duke. Non, sérieux, arrête. Duke, sérieusement, si tu me fais ça, si tu me le fais, je te serai reconnaissant à jamais. Je te promets, je te récompenserai énormément pour ça. Je ne vais jamais l'oublier. Non, mais allez, arrête de m'embarrasser comme ça. Écoute, si je ne fais ceci pour toi, je peux au moins le faire pour ma sœur. Je veux faire n'importe quoi pour protéger son bonheur. Je ne puis supporter de voir mon bonheur. Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup pour mon frère. Je ne sais quoi dire. Peux-tu sourire maintenant, s'il te plaît? Merci. Tu ne sais pas ce que tu viens de me faire. Ce n'est rien. Tu viens de me faire sortir de ce grand pétrin. En fait, tu es mon sauveur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ce n'est rien. Merci beaucoup. On se calme. En fait, quelque chose n'a pas cessé de me déranger. À propos de toi. Je ne sais pas trop comment le dire, en fait. Tu sais, ça me fait beaucoup réfléchir, voilà. Tu sais, ça me dépasse, en fait, tu vois. Tu es vraiment une merveilleuse femme, ton caractère, ton attitude, ton comportement, absolument tout te concernant, ton sourire, je n'arrive pas à sortir ça de ma tête. Je pense toujours à toi, je ne sais vraiment pas, ça me dépasse. Ton nom, Sylvia, est vraiment synchronisé avec ton caractère et même tout de toi. En fait, je t'en prie. Je t'en prie. Veux-tu m'épouser? Je t'en prie, dis oui. Et tu me rendras l'homme le plus heureux de ce monde. Attends, es-tu sérieux? Oui, je t'en prie, dis oui. Oui, j'accepte. Es-tu sérieux? Waouh! Oh bien guéri. Combien de fois t'ai-je appelé? Veux-tu la fermer? Ferme la sorcière. Oh bien guéri, combien de fois t'ai-je appelé? Ferme ta bouche. Pourquoi tu cries mon nom comme ça partout? Vois-moi cette fille. Pourquoi tu te mets à crier comme ça? Es-tu une chienne? Il n'y a que des chiens fous qui se mettent à crier comme ça sans raison. C'est quoi ton problème? Laisse-moi et mon fils libre. Laisse-nous libre. Toi, cette sorcière. Écoute. Ce n'est ni moi ou mon fils qui vous ont rejeté. Tu n'as qu'à aller chercher cet oracle qui n'a pas validé ton fils. Sinon quoi? Oh non, je te mets un défi. Complète cette phrase. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es qu'une chienne, une bulldog. Si c'est une femme, pourquoi tu ne complètes pas cette phrase? Ose le dire, tu verras comment je vais te refaire le portrait. Oh bien guéri, mon œil. T'inquiète. Espèce de folle. Voyons-moi ça. Oh bien guéri, t'inquiète.
Voyez-moi comment elle marche. La royauté te rejette. Elle ne te convient pas. C'est pas ta faute. C'est de ma faute parce que je m'étais arrêtée. Idiote. Tu as aussi le culot de m'arrêter et de me parler n'importe comment. Je sais que tu as bien apprécié ça. Ouais, Thierry. Ouais. S'il te plaît, Ossinati, je vais me mettre devant. Pourquoi? Oh, s'il te plaît, ne me touche pas. Lonia, il faut mieux que tu ailles prendre le siège arrière et permets à ma nouvelle épouse de rester devant. Parce que tu prends le siège de devant depuis longtemps. Donc, laisse-la profiter de ce privilège. Chief, depuis quand? Depuis quand je commence à me mettre derrière? S'il te plaît. Écoute, Lonia, si tu n'es pas prête à nous accompagner ou de prendre le siège arrière, tu ferais mieux de retourner à l'intérieur. En tout cas, la présence de ma nouvelle épouse me suffit. Masanachi, c'est vrai. Bébé, on y va. Allez, monte devant. Je ne sais plus comprendre ce qui arrive à mon mari. Depuis qu'il a épousé cette sorcière de Ossinati. Bro, comment oses-tu me bloquer la voie? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je n'ai pas cessé de t'appeler plusieurs fois et tu ne me réponds pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc tu m'accuses de ne pas prendre tes appels? Oh non, c'est pas ce que j'ai voulu dire en tout cas. C'est juste que ton téléphone n'a pas cessé de sonner et tu ne veux pas parler. Ouais, monsieur Duke, ou peu importe ton nom, mais va tout droit au but. Après tout, je t'ai payé l'argent que tu m'as emprunté. Quoi d'autre veux-tu en ce moment? Bon, écoute, ce n'est pas pour ça que je t'ai stoppé, ok? C'est juste à propos de ma soeur, qu'est-ce qui se passe là? Elle n'a vraiment pas cessé de se plaindre à propos de ton comportement vis-à-vis d'elle. Dis-moi, ça ne va pas, mon vieux. Écoute-moi et laisse-moi t'avertir. Duke, ou peu importe ton nom, que cela te soit la première et la dernière fois que tu m'arrêtes en chemin pour discuter de mon problème familial. Écoute, tu vois ta sœur là, je vais lui montrer sa place. Je te préviens. Tu viens de dire que tu vas jeter ma sœur. Je vais la jeter dehors. Non mais écoutez-moi cet homme. Sache que tu as tort. C'est de ma sœur que tu parles de cette façon. Jones, Votre Altesse, tu m'as complètement déçu. Comment pourrais-tu? C'est incroyable. Tu as oublié ton statut. Tu es un chef de haut rang de ce grand royaume. Comment toi, un responsable, pourrais sortir avec tes concubines pendant 2 bonnes semaines
sans réfléchir à ce que le peuple de ce royaume penserait de toi. Jones, ta réputation n'est pas ce que tu penses de toi-même, mais ta réputation est ce que le peuple pense de toi. Jones. Votre Majesté. Je te prie, s'il te plaît. En rentrant à la maison, je veux que tu prennes le temps de réfléchir sur la personne que tu es dans cette communauté. J'ai toujours souhaité que tu sois un mari responsable et très raisonnable. Ok. Merci, Votre Majesté. Mais, mon roi, ce n'est pas vraiment ce que vous pensez. Épargne-moi cette foutaise! Jones, va mettre de l'ordre dans ta maison. Je ne veux plus encore écouter ce genre d'histoire. J'ai parlé. Merci, Votre Altesse. Quand mon mari le roi parle, tu n'as pas hésité. Je crois que tu comprends. D'accord, Votre Majesté. Je suis toujours à vos ordres. Oh, voyons-moi celui-là. Chérie. Bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qui te dérange? Chérie, écoute, je ne comprends vraiment pas ce qui a soudainement changé dans l'attitude de Jones. Je ne comprends pas ça du tout. Et tu sais, je suis sincèrement choqué de la façon dont Jones m'a parlé aujourd'hui. Je suis sincèrement déçu. Tu imagines, tu ne crois même pas ce qui a pu se passer aujourd'hui. Chérie, calme-toi. Peux-tu imaginer que mon frère avait demandé de sortir de sa maison? J'étais surprise. J'avais comme l'impression de rêver. En tout cas, ce n'est pas les gens que je connais. Chérie, s'il te plaît, tout ira bien. Essaie juste de te calmer. Ça ne devrait vraiment pas. Parce que je n'accepterai pas que Jones continue de traiter ma soeur de cette façon-là. Non, mais c'est quel être humain qui fait ça? Dans quel siècle sommes-nous? Ma propre soeur biologique. Peux-tu imaginer, Jones? Quelque chose s'est fait, juste calme-toi. Ça va aller. Lonia, je vous ai appelé toutes les deux ici pour vous demander une faveur. Et cette faveur est quelque chose qui va vous aider, toutes les deux. Vous savez, depuis que j'ai commencé à travailler avec la compagnie pétrolière américaine Chevron, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ah oui, j'ai gagné de l'argent. Je veux dire, beaucoup d'argent. Sincèrement, je suis très très riche maintenant. Dans ce cas, bon, laissez-moi être bref. Lonia, toi et moi avons été mariés depuis très longtemps avant que Masinachi n'arrive. Et tu ne m'as jamais causé de problème, ni de peine. Au contraire, tu m'as donné quelque chose que tout homme souhaitera avoir. C'est-à-dire de beaux enfants, un garçon et une fille. Et cela me donne vraiment de la joie. Mais la vérité est qu'il y a environ 2 ans maintenant. Il n'y a rien qui nous lie, nous deux, en tant que mari et femme. Par toi-même, tu peux vraiment y réfléchir 2 fois.
Mon Seigneur, je suis une femme. Une femme qui a aussi des sentiments. Ça me soulage de l'entendre de toi, puisque ça me dérangeait beaucoup. Je sais. Merci de me les révéler. Mon mari, qu'en est-il de moi? Ça fait déjà des mois que tu n'entres pas dans ma chambre. Je suis besoin de toi. Ça veut dire quoi tout ceci? Ça ne m'arrange pas du tout. Et je te hais pour ça. Oui. Comment je vais te donner des enfants? Je suis une femme avec des parties irréprochables. J'ai besoin des enfants. S'il te plaît, fais quelque chose. Bien, de toute façon, j'ai entendu ce que vous deux vous dites. Mais la vérité est que je veux vraiment faire les choses à ma propre manière. Je veux faire ce qui est dans mon esprit. Donc, j'ai décidé de vous régler toutes les deux. Je veux vous régler toutes les deux afin que vous puissiez partir. Vous voyez, hein? Je veux être seul. Je veux profiter de ma vie parce que il y a un dicton qui dit que la vie peut être aussi défectueuse. Mais comme vous le voyez, je prends déjà de l'âge. Donc, je ne veux aucune distraction. Non, Monseigneur. Ça veut dire quoi? Tu veux être seul. S'il te plaît, je veux que tu me fasses comprendre ça. Ok. Si tel est le cas, accepte que je reste avec toi. Je vais vivre avec toi en paix, puisque je suis quand même ta femme, s'il te plaît. Lonia. La vérité, c'est que cela n'a pas d'importance de savoir combien de durée ou combien de temps ou à quel point nous avons été chanceux dans ce mariage. La vérité est qu'à l'heure actuelle, j'ai décidé de vous régler toutes les deux avec une somme de 30 millions de naira chacune afin que vous puissiez y aller, vous installer quelque part et vous établir et faire votre vie. Il y a plein d'hommes qui vous désirent dehors. D'accord? Voici tes 30 millions de naira. C'est pour toi, pour aller t'établir. Prends ça. C'est pour toi. Voilà. Masinachi. Voici pour toi aussi tes 30 millions de naira. Et en addition, vous pouvez partir avec vos voitures personnelles et tous vos effets personnels. C'est bon, il n'y a pas de quoi. Mon mari, s'il te plaît, j'ai réussi. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Dans ce cas, je n'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que c'est la somme écrite sur ce chèque. À la place de rester ici sans enfant, dans ces années de notre mariage, le mieux serait de faire mon chemin. Le chèque des 30 millions de naira, tu ne pourras jamais changer de cette personne que tu étais avant. Écoute, laisse-moi te dire, je ne peux pas mettre en danger ma liberté juste à cause de l'argent. Même si tu as besoin de 100 millions de naira pour ça, je te les donnerai. Tu sais que l'argent n'est pas mon problème. Merci, mon mari. Ce n'est pas l'argent dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi, tu es plus que l'argent. Je pense que j'en ai fini avec cette réunion. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je te prie, pardon. Ne me laisse pas. Je ne saurais vivre sans toi, chérie. S'il te plaît. Merci. C'est quoi ce comportement? Remets-moi mon enveloppe. Je suis finie. 30 millions de naira, il ne faut pas payer de choses. Je vais aller faire déjà mon plan. Où est-ce que je veux en venir? S'il te plaît, bébé, tu es où? Reviens, s'il te plaît, reviens à moi. Hey, 30 millions de naira. Oh, Sinachi.
30 millions. C'est pour de vrai. Je suis encore en train de rêver. Maintenant, c'est les dents qui la vraie Osinachi apparaissent. Hé, c'est pas vrai. Mon Dieu, n'ai jamais vu. Maman, je suis en route. Tes pleurs ne changeront peut-être rien. J'ai pris ma décision et c'est final. Je veux vivre seul ici. Je veux profiter de ma vie. S'il te plaît, amener ton frère ici ne changera rien. D'accord? Jones. Alors c'est comme ça que tu t'es préparé pour me rendre l'appareil. Après avoir sauvé ta mocheté. C'est comme ça que tu t'es préparé à me rendre l'appareil après que j'ai pris une très bonne raison de prêter 50 millions de naira pour sauver tes actions. Et bien sûr, c'est comme ça que tu as décidé de me rendre l'appareil. Hein? Comme ça? Si ce n'est pas à cause d'une chose, je t'aurais chassé de chez moi. Tu ne peux pas venir chez moi tout en criant comme un chien errant. Tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'étais pas là pour m'aider dans cette situation, le Dieu que je sers aurait pu envoyer quelqu'un pour faire ça. Donc, faut pas que ce que tu as fait te rende hautain. Je peux même te rembourser doublement. Que cela rentre bien dans tes oreilles. D'accord? Donc, ne reste pas assis chez moi ici en vomissant des conneries. Oui, bien sûr. C'est bel et bien ta maison. Alors parle-moi bien comme tu voudras. Hein? Vas-y, insulte-moi parce que je suis dans ta maison. Ce n'est pas ta faute. Serait. Tu l'as bien vu par toi-même. Tu sais ce que tu vas faire pour moi maintenant? Tu vas oublier ces stupides et inutiles 30 millions de naira que ce type est en train de te donner. Parce que c'était une idée totalement absurde d'être avec lui. Ok, maintenant tu vas aller là, à l'intérieur. Récupérer toutes tes affaires. Et quitter cette maison tout de suite. Ok, écoute, laisse-moi te dire. Moi, ton propre frère, j'ai fait beaucoup d'argent. Tu comprends ça? Je suis maintenant un gars très riche. L'argent n'est plus un problème. Ok, maintenant tu vas ramasser toutes tes affaires de la maison de ces pauvres que je vois ici même. Nous partons maintenant. Et qu'en est-il des enfants? Voilà qui recommence. Qu'en est-il des enfants que nous avons eus tous les deux? Qu'est-ce que tu leur réserves comme sort? J'ai subi au moins pour eux. Accepte que je reste avec toi. Si tu veux même que je commence à passer dans l'autre chambre, s'il te plaît. Je vais survivre sans mon mari, mon frère. Ma sœurette avec ses pauvres vieux. Non, mais tu veux me tuer? Non, mais tu plaisantes? S'il te plaît, cesse de crier chez moi, d'accord? Écoute, je ne suis pas contre le fait que tu restes quelque part dans cette maison. Tu peux même utiliser ce rez-de-chaussée. Mais le fait est que tu seras toujours enfermé. Parce que je ne veux pas te voir senti blessé quand je serai ici en train de profiter de la vie. Avec mes demoiselles, ça me fera beaucoup mal. C'est tout, mais stupide. Mais je ne veux pas me retrouver dans une situation de remords. Que je fais mal à quelqu'un plutôt que de m'en profiter de la vie. Donc, je te conseille. Écoute juste ce que ton frère te dit. Écoute-le, va ramasser tes effets et quitte. Juste vas-y et laisse-moi en profiter de la vie. M'amuser. Tu peux voir que ça ne clique plus entre nous et rien ne se passe plus entre nous. Donc, rester ici ne serait qu'une perte de temps. D'accord? S'il te plaît, chérie. Pardon. Et toi, Duke, ou peu importe ton nom. Non, insulte-moi.
Insulte-moi parce que je suis dans ta maison. Ah oui, tu es chez moi, donc j'ai le droit de te parler comme je veux. Mais tu n'as pas le droit de traiter ma soeur comme tu es en train de le faire. Elle est bien ma soeur. Ça, c'est ton affaire, Monsieur Duke. Si tu as décidé de rester avec une seule femme, ça c'est ton affaire. Mais de ma part, je vais en profiter de la vie. Je vais m'occuper de chaque trou que je rencontre sur mon chemin. Je vais m'occuper de ça. Je veux profiter de tout. Chaque femme qui croise mon chemin, je vais en profiter. Tu sais, Duke, tu sais ce qui est. Tu sais la joie dans le fait de changer de femme. Mince, grosse, belle ou vilaine. Connais-tu le plaisir qui est dans ça? Écoute, Duke, si tu ne sais pas, ce monde est un monde pour partager des baisers. Tu embrasses par ici, tu embrasses par là, tu frappes ici, tu frappes là, tu touches par ici, tu touches par là. Il y a différentes formes, différentes sortes de femmes. Tu dois les toucher et en profiter de la chair. Note ça. Je peux voir que tu deviens fou. Ouais, je suis fou. Je suis fou de toutes les femmes. Tu es fou. Tu deviens fou. Jones, tu es fou. C'est une pourriture. Mais pourquoi? Ah, c'est bien. Maman, tu dis quoi? Hein? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, sur quel problème? Hein? Maman, parle-nous. C'est quoi le problème? Maman, parle-nous. Mais c'est quoi le problème? Savez-vous pourquoi j'ai fait sortir mes deux femmes de chez moi? Parce que je veux en profiter de la vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que vous avez en bas là-bas, je vais en goûter. Ah oui, bébé. C'est moi, Jones, le riche. Oh bébé, tu as bien fait. Vous savez quoi? Je vais en profiter. Manger là-bas, manger ici. Manger là-bas, manger ici. C'est pourquoi je les ai chassés. Je vais en profiter de mon argent. Je suis riche. J'ai trop d'argent. Hein? Amusons. Écoutez, bébé, prends ça. Va te tuer avec. Va te tuer. C'est moi, Jones. Ah oui, bébé. C'est Jones qui parle ici. Allez, donne-moi de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Hey! T'inquiète pas, je viens vers toi. J'arrive. Hey! J'arrive chez toi. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez, vous voyez cette vie. Si tu as de l'argent, tu as tout. C'est pourquoi je vous ai toutes. J'ai de l'argent. Je dis, profitez-en. Et permettez-moi d'en profiter. Laissez-moi m'en profiter. Tourne-toi pour moi. Roule ça. Tourne ça. Tourne ça. Ah oui. Lève-toi et montre-moi ce que tu as derrière. Je suis foutu. Regardez ce que je vois par là. Tourne ça seulement. Roule ça. Oh bébé. C'est ça. Mais bébé, ok, laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai de l'argent maintenant. Écoutez, à partir de la semaine prochaine, toi, je vais t'acheter une voiture. Monsieur l'argent. Écoutez, profitez-vous seulement. Tu sais que tu es ma préférée. Tu es ma préférée. Ouais. À chaque fois, tu es mon bras droit. Il faut profiter. Profitez-en. Si tu as de l'argent, tu dois en profiter.
Écoutez, laissez-moi vous dire, l'argent est tout. Sans l'argent, tu es sans valeur. C'est ça, c'est cette ça. Vie. Sans l'argent, tu n'es rien. Écoutez, quand l'argent parle, toute bouche se ferme. Vas-y, dépensez mon argent. Dépensez ça. Attends. Attends. Tiens. Allez, viens. Ah, wow. Promets-moi que tu ne vas pas me tuer avec ça. Promets-moi. Et ma vie, my name. Oh. Allez. Viens. Aïe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci parce que tu as dit dans ta parole que nous puissions te bénir en tout temps. Et pour toutes les circonstances de la vie, nous te disons merci. Pour tout ce qui nous arrive. Merci pour tout ce que nous vivons. Je sais que tu es au contrôle de tout. Je viens juste nous recommander entre nos mains. Toi qui prends soin de tes enfants. Sois notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Je viens te recommander mon mari ainsi que mes enfants. Laisse que ton esprit le pardonne du danger. Fais à ce que ta lumière brille sur son visage. Éternel, montre-lui combien tu es fidèle, au-delà de nos péchés et nos défauts, dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, conduis ses pas. Donne-lui à redevenir raisonnable pour le bonheur de notre famille, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je ne saurais élever ses enfants seuls. C'est pourquoi je te les laisse entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de leur vie, de leur départ et de leur arrivée. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Notre Père, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne nuit, mes chéris. À demain. Fais de beaux rêves. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père de grâce, je te dis merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ta parole dit, venez en moi vous tous ceux qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous ne venons pas nous plaindre devant toi, car nous savons que tu es au contrôle de nos vies. Mais nous venons au contraire te remettre tous nos problèmes. Fais que toutes nos vies soient pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour mon mari, le père de mes enfants. Délivre-les de cette vie du désordre qu'il mène. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi tu nous as unis dans ces derniers mariages. Et avait fait en sorte qu'il me revienne, moi et mes enfants, au nom de Jésus. Amen. Peu importe la vie qu'il mène ces temps-ci éternellement, je vais te faire confiance dans le nom de Jésus. Amen. Aide mes enfants à grandir en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Éternel, où qu'il soit, sois celui qui conduit leurs pas. Épargne-les dans le danger. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit sur nous dans le nom de Jésus. Prions notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bonne nuit, mes chéris. Dormez bien, à demain. Tu es vraiment belle. Écoute, c'est moi. Je m'appelle Jones. Je suis Jones. Jones, Onyabero, Omenora premier. Du royaume de Munichi, j'ai de l'argent. Hein? Je vais te gâter avec de l'argent. Ta présence ici, avant de quitter ici, tu n'auras plus le même statut qu'avant. Je te le dis. Combien veux-tu? Combien veux-tu? J'ai de l'argent. Écoute, mon argent coule comme de la rivière. J'ai de l'argent. Hein? Écoute, si c'est de l'argent-là, va dormir. Tu me flattes. De la flatterie comment, bébé? Pourquoi je vais te flatter? Hein? Juste donne-moi ça.
Bien sûr, je sais que tu vas m'aimer parce que tu aimes l'argent. Oh. Tu sais, les filles qui aiment l'argent ont l'habitude d'aimer les hommes qui ont de l'argent. Tu sais que j'ai de l'argent, toute femme va m'aimer. Tu sais, c'est pourquoi je t'ai choisi pour te rendre heureuse. Hein? Écoute, je vais te rendre heureuse. T'inquiète, après cet instant, hein, je vais t'emmener dans un parc automobile et tu choisiras la voiture de ton choix. C'est vrai, tu ne me fais pas confiance. Mais bébé, il est temps. Je le sens en bas là-bas. Laisse-moi te le donner. Es-tu sérieuse? En fait, je sais que tu adores ça. Tu adores ce côté. Écoute, bébé, tu sais, pour toutes les promesses que je t'ai faites, tu dois prendre le dessus. Hein? Ouais, viens monter toi-même. Ouais, je sais que tu peux bien me chevaucher. Ouais, bébé. Ouais, vas-y comme ça. Ouais. 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 Ouais, allez. Ouais. Donne-moi ça. Ouais. 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 Ah. Ah. Ouais. Ouais, bébé, fonce. Ouais. Ouais, fonce, bébé. Fonce. Ouais, vas-y comme ça. C'est l'argent qui parle. Ouais. 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 Allez, chevauche-moi bien. Ouais, bébé, chevauche-moi. Chevauche-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Ouais. Chevauche-moi, bébé. Ouais. 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 Bébé, donne-moi ça. Ouais. Ouais, bébé. Ouais. 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 Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est moi. Tout ce temps, arrête. Allez, c'est toi. Jésus-Christ, c'est pas vrai. Ma sœur, ton histoire est vraiment émotionnelle. J'ai pitié de toi et de tes enfants. Tu es vraiment dans la souffrance. S'il te plaît, accepte ma sympathie. S'il te plaît. Comme si... C'est un très méchant. Cette vie... Et rempli d'injustice. Comment est-ce possible? Je n'ai vécu que de la méchanceté. L'amour de ma vie. L'amour que j'avais pour Jones. C'est autre chose. Ainsi va la vie. Et qu'en est-il de ta sœur aussi, Nanachi? Je ne sais pas vraiment. Je crois qu'elle va bien. Chérie, c'est tous les mais ça fait un temps que nous vivons ensemble, nous n'avons pas d'enfants. Ce n'est pas que je tombe enceinte, mais je ne comprends pas que je tombe enceinte et que ça va pas 3 mois. J'ai vu toujours un accident. Et les docteurs nous ont très bien dit qu'il n'y a rien de mal entre nous deux. Ne te dérange pas. Nous avons déjà fait tout ce qu'il fallait et le changement viendra. Le docteur a confirmé que nous sommes dans le bon.
Alors relax. Oh, en tout cas, j'en ai marre, je ne supporte plus, je suis fatiguée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Nous devons faire un mouvement, chercher une autre manière. Tu veux dire, avec ton éducation et tes études, tu veux que j'aille voir un guérisseur? Non. Oh, c'est les problèmes que j'ai toujours avec toi. Tu tires toujours les conclusions. Tu me parles aussi de ces docteurs. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il y a certaines choses qui demandent de la spiritualité. Il y a aussi des gens qui ne sont là que pour traiter ces problèmes spirituels. Alors nous devons aller chercher une solution. Oh, s'il te plaît. Comment tu t'attends à ce que moi, Dev, je puisse exposer mon mariage? Non. Dev, c'est comme si tu ne t'inquiètes pas de notre stérilité. Écoute, bébé, je dis de ne pas t'inquiéter. Le temps de Dieu est le meilleur. Nous ne pouvons pas nous tuer parce que nous n'avons pas d'enfant. Sois patiente pour l'amour de Dieu. Sois patiente. Comme je te dis, comme tu t'inquiètes pas de ce que les gens vont nous dire, c'est ton problème. D'accord, je te comprends. Relax. Ok. Relax. Tout ira bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé que c'est spirituel. Tina ici présente, quand tu avais l'âge de 13 ans, tu avais commis un meurtre et tu t'étais enfoui. Oui, je suis vraiment désolée. Mais depuis lors, je n'ai jamais parlé à quelqu'un à propos jusqu'à présent. Ok, alors, s'il te plaît, dis-nous, pour qu'on résolve ce problème une fois pour toutes. Je suis confus. Au père, dois-je adopter un enfant? Non. Vous savez, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Oui, père. Alors, laisse-moi te poser une question. Peux-tu nous raconter? Oui, je l'avais fait. En fait, j'avais entre 13 ans et 14 ans. Lorsqu'on était revenu d'une formation dans mon village. Alors mes parents étaient dans la maison et moi j'étais partie dans la cuisine. Après avoir rangé et nettoyé partout, juste lorsque j'avais vu une poule détruire ce que j'étais en train de faire, alors j'étais énervée. J'avais utilisé le bâton pour tuer cette poule. Bon, j'avais trouvé ça normal. Oh Seigneur, que c'était méchant de ta part. Mais je sais qu'en Dieu, rien n'est pardonnable. Chérie, comment as-tu pu faire une telle chose? Tiens donc! Je suis très désolée. J'étais encore un enfant. C'est même moi que j'ai compris certaines choses. Mon frère, ce n'est plus le temps de la blâmer. Vous deux, devez prier et demander pardon à Dieu. Faites-le, et si c'est possible, gênez. Et après, revenez ici. Que le Seigneur soit avec vous. Merci, Père. Je vous en prie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, nous te remercions pour ces jours. Père, nous glorifions ton nom pour tous les bienfaits dans nos vies. Père, nous bénissons ton nom pour la vie de ta fille ici, Tina. Père, aie pitié d'elle.
elle est venue vers toi. Père, nous te demandons de pardonner nos péchés. Elle a prié et jeûné pour implorer ta miséricorde. Père, accomplis les désirs de son cœur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur t'assiste. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Merci beaucoup. Mon mari, Dieu est vraiment merveilleux. On avait déjà perdu espoir. Mais non, tu vois, tu avais dit qu'on ne pourra jamais adopter un enfant. Et Dieu a finalement répondu à nos prières. Merci. Que son nom soit glorifié. Amen. Dieu est juste merveilleux. Oui, oh. Jésus, je te remercie. Je te remercie de m'avoir sauvé, de m'avoir enlevé la honte. Qu'est-ce que tu es merveilleux. Oh Jésus, je te remercie. Va juste t'occuper des bébés. Ok, très bien, oui. Oh Jésus, je te glorifie. Je te remercie, je t'adore. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleux, mon Dieu. Chérie, à qui est-ce que tu écris? Oh, chérie. Je crois que je t'avais parlé à propos de mon histoire avec le roi de notre village. Alors, qu'est-ce que tu envisages? Depuis que ça s'est fait, je ne me sens pas vraiment très bien. Je dois lui demander pardon. Non, tu exagères. Écoute, je connais le roi. C'est un homme bien. Il ne pense même pas à ce que tu dis là. Ok, alors qu'est-ce que tu en penses? Je comprends. Passons alors à autre chose. Ok, d'accord. Alors, attends. Une bonne idée. Bon, vas-y, dis-moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Mon nom est Abil et j'ai un colis à livrer. S'il vous plaît, j'aimerais vous signer ici. Merci, monsieur. Votre Majesté, vous avez un message. D'accord. Lettre de la part de Tina, lettre d'excuse. Je vous salue, je vous écris cette lettre pour vous demander, vous et votre maison, de me pardonner pour les dommages et inconvénients que je vous ai causés, vous et votre maison. Je ne suis plus Tina que vous connaissiez. J'ai rencontré Jésus-Christ et il m'a complètement changé. S'il vous plaît, du fond de votre cœur, pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse et votre amiable, charmante, et jolie femme, longue vie, roi David, l'éléphant du royaume du Mulutchi. Votre humble Tina. Les merveilles ne finiront jamais. Donc Tina est née de nouveau. Ça fait l'objet de célébrations. Ce qui veut dire que je suis libre.
Merci à mes ancêtres de l'avoir rendu possible. Les dieux sont sages.